Depuis le 1er janvier de cette année, Cap Excellence a repris la gestion de la distribution de l'eau et de l'assainissement pour le compte des villes de Bémao, Les Abîmes et Pointe-à-Pitre. Avant cette date, et ce depuis le 30 décembre 2008, c'est à la Société Générale des Eaux Guadeloupe que la gestion des services d'eau potable et d'assainissement des eaux usées était déléguée. Pour l'exploitation de ces services, les élus communautaires ont décidé la création d'une régie à autonomie financière à personnalité morale dénommée Eau d'Excellence. Nous avons décidé, le conseil communautaire, unanimement, de passer la main quelque part de la Générale des Eaux, délégataire de services publics, à la régie Eau Excellence, qui est une régie autonome, personnalisée, qui garde son autonomie financière, qui a quand même des liens avec le conseil communautaire. Un des objectifs prioritaires de cette régie Eau Excellence, c'est de favoriser évidemment l'accès à tout un chacun dans le territoire communautaire, à Bimbémao Pointe-à-Pitre notamment, mais aussi à d'autres, puisque les investissements que nous réalisons sur le territoire communautaire de Cap Excellence vont profiter à d'autres territoires hors Cap Excellence. Donc une eau de qualité, en permanence, à un coût évidemment abordable pour l'ensemble du territoire communautaire. Garantir l'accès à l'eau pour tous et aux meilleurs tarifs, sécuriser la ressource en eau, accroître le potentiel de production d'eau potable et assurer la protection de l'environnement, ce sont là les missions confiées à Eau d'Excellence. La régie autonome assure la facturation et les réparations courantes, mais les investissements importants demeurent de la compétence propre de Cap Excellence. Les gros investissements lourds d'extension, de réparation des réseaux, de construction d'unités de production, de leur réparation et d'autres ouvrages hydrauliques relèveront toujours de la compétence de Cap Excellence qui, dans le cadre d'un programme pluriannuel d'investissement, a prévu ces investissements. Et d'ailleurs, on va aller plus loin encore dans le cadre d'un contrat de progrès avec l'État, avec l'AFD, la Caisse des dépôts et consignations et d'autres partenaires, nous l'espérons, la région, le département. Nous allons avancer à grands pas dans le traitement de l'eau et de l'assainissement. Aujourd'hui, Cap Excellence a de bonnes bases pour pouvoir travailler. Bien évidemment, à partir du plan eau qu'a mis en place le ministère de l'Outre-mer, nous sommes obligés, nous travaillons d'ailleurs en collaboration sur ces thèmes-là. C'est une véritable vision que nous avons besoin et que nous avons mis en place parce que nous avons besoin effectivement de répondre à la question de l'eau sur le territoire. Il est évident aussi que les investissements vont être très lourds puisqu'il faut effectivement remplacer les réseaux. C'est vraiment un sujet d'actualité puisqu'au niveau des réseaux, nous savons que pour la plupart, ils sont complètement obsolètes. Là aussi, nous nous sommes penchés là-dessus. Nous avons déjà participé à la conférence des financeurs avec l'État. Donc, nous travaillons, mais dans l'État, il n'est pas envisageable que nous puissions supporter de tels enjeux, de tels financements seuls. Forcément, on fera appel à l'AFD, on fera appel à l'État, dans les structures même, l'ONEMA par exemple, forcément l'AFEI, bref, l'ensemble de ces cofinancements seront sollicités pour que nous puissions répondre à ces objectifs-là. Des partenaires qui doivent accompagner Cap Excellence dans les nombreux investissements qu'elle envisage pour répondre à l'exigence d'un service public de l'eau de qualité sur son territoire. Déjà, pour l'année 2016, ce sont pas moins de 11 millions d'euros qui ont été engagés pour l'assainissement et l'alimentation en eau. Des investissements importants qui ont permis d'améliorer sensiblement le service aux usagers. Direction, pour le constater, la partie est de la ville des Abîmes, en compagnie de Cliff Leno, directeur des investissements eau potable et assainissement de Cap Excellence. Nous sommes ici aux Abîmes, sur le territoire de Boisvin. Alors juste derrière moi, on a un réservoir qu'on vient de réaliser, donc un réservoir de 3000 m3. Qui a été réalisé afin de pouvoir gagner en autonomie. Nous avions un réservoir existant qui avait une autonomie de 5 à 6 heures. L'objectif, c'était de réaliser un second réservoir de manière à gagner en autonomie et passer de 15 à 16 heures. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que on a des projets. Il y a des projets qui se développent aux Abîmes, notamment la partie nord-ouest, donc avec le développement du CHU. Il y a plus de 500 logements qui vont sortir. Donc il fallait pour nous anticiper tous ces projets de manière à pouvoir garantir l'alimentation en eau potable de la zone nord-ouest des Abîmes.
Avec une autonomie qui passe de 5 à 16 heures, Cap Excellence peut donc garantir l'alimentation en eau potable de cette zone en cas d'intervention sur le réseau pour réparation. Outre sa capacité supérieure aux précédents, ce réservoir se singularise également de par sa fabrication. La particularité de ce réservoir, c'est que déjà, c'est le premier réservoir de la sorte qui a été réalisé en Guadeloupe. C'est un réservoir en acier vitrifié, qui est adapté à nos zones cycloniques et sismiques. Deuxième avantage, c'est la rapidité de mise en œuvre. Le réservoir qui est juste derrière nous a été réalisé en 6 mois. Nous pouvons réaliser des ouvrages rapidement. Donc l'idée, en fait, c'est aussi de sortir des schémas habituels, réservoir, béton, et de pouvoir aller vers autre chose, tester d'autres types de matériaux. Autre lieu, autre problématique. Ici, à Mornudol, c'est l'accès à l'eau aux familles vivant en hauteur qui est problématique. Pour y remédier, un surpresseur est en train d'être installé. Bientôt, c'est un autre chantier qui doit être lancé, celui de l'usine de traitement de Perrin aux Abîmes. Un chantier de 2 années pour un montant estimé de 5 millions d'euros pour sécuriser l'alimentation en eau potable du nouveau CHU. Un projet planifié dans le PPI de Cap Excellence. Depuis sa création, Cap Excellence a rapidement mis en place un PPI, ce qu'on appelle un programme pluriannuel d'investissement. Il s'agit d'un outil de programmation qui permet à notre PCI de programmer les investissements à 5-6 ans. Alors, cette semaine, nous étions justement en train de mettre à jour cet outil qui doit vivre. C'est un outil qu'on doit mettre à jour régulièrement. De manière à pouvoir programmer nos investissements en fonction des besoins exprimés par les villes, en fonction des besoins de la rénovation urbaine, notamment de Pointe-à-Pitre, des Abîmes, en fonction de nos schémas directeurs d'eau potable et d'assainissement des eaux usées. Donc nous prenons chacun de ces éléments de manière à alimenter notre programme pluriannuel d'investissement. Ce qu'il faudrait que tout un chacun puisse comprendre, depuis 2008, Cap Excellence a toujours été consciente qu'il y avait des problèmes sur le territoire et qu'il fallait porter des réponses. Nous avons porté des réponses au niveau de Coma, par exemple, parce que nous avons installé effectivement un surpresseur. Au niveau de Carac, où nous avons remplacé des réseaux qui étaient complètement obsolètes, forcément, ça commence à répondre à un certain nombre de demandes sur le territoire. Il y a Pointe-à-Pitre. Et pour ne pas oublier, parce que nous parlons souvent d'eau potable, mais nous oublions l'eau, assainissement, parce que ça aussi, c'est un enjeu sur le territoire. C'est un enjeu de santé publique. Là aussi, nous ne devons pas perdre de vue que dans les investissements que nous devons mettre en place, certes, l'eau potable préoccupe beaucoup les esprits, mais que l'assainissement est aussi un point majeur. Voilà, Cap Excellence, depuis 2008, s'est attelé à travailler sur la question, à mettre en place un certain nombre de stratégies, vous l'avez évoqué tout à l'heure, concernant la création d'une usine de production de Perrin, parce que là aussi, ce sont des enjeux fondamentaux. D'assainissement, parlons-en. Si en 2016, Cap Excellence a réalisé 8 km de réseau pour l'alimentation en eau potable, ce sont également 6 500 km de réseau d'eau usée qui ont été financés. Des investissements dans le domaine de l'assainissement collectif et autonome qui se poursuivent, comme ici, où nous conduit Cliff Leno. Ici, nous sommes à Bémao, sur le site de Trioncel-Longville, où actuellement, on est en train de réaliser des travaux d'assainissement des eaux usées. Donc, le principe, en fait, c'est de poser des canalisations de manière à récupérer l'ensemble des effluents générés par les habitations. Pourquoi ? Nous avons réalisé un diagnostic. Ce diagnostic a mis en exergue un certain nombre de dysfonctionnements, notamment le déversement d'eau usée non traitée dans le réseau d'eau pluviale et dans un canal qui passe juste à côté. Nous avons également un double intérêt, c'est que les effluents que nous allons récupérer pourront être envoyés vers la station de Trioncel qui se trouve à 500 mètres, un peu plus loin, et qui permettra d'augmenter la charge et de permettre à la station de fonctionner, je dirais, à pleine charge, à pleine capacité. Aujourd'hui, c'est une station de 18 000 équivalents habitants. Et comme pour beaucoup de chantiers conduits par la communauté d'agglomération Cap Excellence, celui d'assainissement de Trioncel-Longville se veut
éco-responsable. En général, sur nos chantiers, on essaie d'utiliser un certain nombre de matériaux recyclés. Pour quelles raisons ? Cela s'inscrit dans la prolongation d'un label que Cap Excellence a obtenu, Cap Citergie, qui récompense les EPCI ou les collectivités qui ont réalisé un certain nombre d'opérations ou je dirais d'actions en faveur de l'environnement, du développement durable, de la maîtrise de l'énergie et de la préparation au changement climatique. Donc c'est vrai que sur nos chantiers, on utilise du sable de verre, donc c'est issu de verre recyclé, et également, lorsque cela est possible, du broyat de pneus, donc qui est issu de pneus usagés qui sont également recyclés. C'est un choix qui est motivé par ce qu'on constate. Hein. Aujourd'hui, nous puisons dans nos ressources naturelles, hein, le sable de rivière, bon, ben, on le récupère dans nos rivières. Si on arrive à inverser un peu la tendance, je ne dirais pas qu'on trouvera suffisamment de sable de verre pour compenser le sable de rivière, mais il s'agit d'actions que nous menons comme ça en fonction des stocks disponibles. Mais dès que nous le pouvons, nous mettons l'accent sur l'utilisation de ce type de matériaux. Le chantier de Trioncel-Longville devrait être achevé d'ici la fin de l'année 2017 pour un coût estimé de 2 300 000 euros. Mais d'autres projets sont en cours dans la ville dans le domaine de l'assainissement. Pour l'année 2017, effectivement, nous avons pour projet de réhabiliter, je dirais, de même supprimer quatre mini-stations d'épuration qui se trouvent sur le territoire de Bémao. Donc ce sont aujourd'hui des stations qui sont obsolètes. Donc le projet est de les supprimer et de créer un certain nombre de postes de refoulement en cascade et de ramener l'ensemble des effluents qui étaient collectés par et traités par ces mini-stations vers la station de Trioncel. Un chantier de 4 500 000 euros. Nous ne pouvons pas dire à la population que nous n'avons pas de solution. Nous avons des réponses, nous avons mis en œuvre, nous investissons, nous travaillons pour que justement demain, nous puissions offrir une eau de qualité. Et j'insiste bien, de qualité, parce qu'il y va de la santé de toute la population guadeloupéenne. Ah.